tazambe kulembele asubuhi na kuja tuamini. On va juste demander à ceux qui ne sont pas les membres de la famille, direct pour l'instant, de donner quelques minutes parce qu'on va emmener le corps et il faut juste qu'on la vérifie que tout est bon avant qu'on puisse commencer le viewing. Si vous pouvez juste prier d'être indulgent, de nous permettre, juste une commune, si vous pouvez sortir le temps qu'on emmène le corps, que nous puissions la voir pour rassurer que tout est bon et tout est bon. Usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki, baraka zako, baraka zako siwe na mimi, na macho yako, na macho yako yawe, yawe na mimi, mapenzi yako, mapenzi yako yawe, yawe na mimi, mapenzi yako, mapenzi yako yawe. Chagua nabi wa mataifa yo, utanitangulia sitaogopa chochote, utanitangulia sitaogopa chochote. Batoto ni basuri na mama boko te wangu. Batoto ni basuri na mama boko te wangu. Milonu wangu. Milonu wangu mama. Milonu wangu mama. Bote ni wangu. Bote wangu.
chote wangu mina choko kulia tata mina choko kulia tata mina choko kulia tata mina angaika wangu mloko wangu nita samdi tata niwona nila mushaka kode miwona kwa ukona kode abana tata ushikuye abana tata ushikuye abana tata ushikuye kode nifu wangu mloko wangu mkie mapu na kutoto kote kote mato na bacha wani kote wangu minunu wangu minunu wangu mwakana wani mwakana wani mwakana wani patilipu wangu mamu patilipu wangu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. First of all, we would like to welcome everyone in this place. Voulons souhaiter les bienvenus à tout le monde qui est ici. Merci pour votre support, que le Seigneur nous bénisse. Merci, merci, merci. Welcome, welcome. Karibu, 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 asante, asante. Amen. Amen. This time we are going to ask if Apostle Didi can do an opening prayer. Then after that, the close family will do the visitation to those who like to see the face. If we can please all stand up. Que nous venons rendre gloire à Dieu. That we came glorify our God. Parce qu'il dit dans sa parole, he say in his word, dans toutes les circonstances, every circumstance, il faut rendre gloire. We have to give thanks, God. Nous le rendons gloire. So we thank God. Nous venons ici. We came here. Nous sommes venus, Seigneur, pour accompagner notre sœur. C'est toi qui l'avais donné. Nous sommes là pour célébrer sa vie. We're there to celebrate her life. Seigneur, d'abord nous te disons merci pour sa vie. Father, first of all, thank you for her life. Merci pour tout ce qu'elle a fait. Thank you for everything she has done. Parce que personne ne peut faire au-delà des limites que toi tu as tracées. Because no one can do beyond what you have choice. Elle a fait sa course. She did our journey. Nous sommes là. We are there. Pour l'accompagner. To go with her. Seigneur, nous prions que tu sois avec toutes les étapes. Father, we pray that you be with all our steps. Jusqu'à l'enterrement. Until the burial. Nous te demandons de découvrir toutes choses dans le sang de Jésus Christ. Cover everything in the blood of Jesus, Lord. Que tout soit sous la direction du Saint-Esprit. May everything be under the direction of the Holy Spirit. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Papa priest and Mama Glass. Can I give this up to that job? Thank you.
somebody, please, who can follow, and just make it a little quickly because we run out of time. You see, and you go back, please. Just come by seat, range par range. Vous pouvez approcher, ceux qui se sentent confortables, de voir la fille, vous pouvez venir. S'il y a d'autres gens, vous êtes les bienvenus de venir voir la fille. Thank you.
our special guest speaker who's going to preach today. If we're going to please welcome and let's stand up and welcome the guest speaker. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Amen. Je crois que nous sommes venus ici pour célébrer la vie de notre sœur. I believe we came here to celebrate life for us. Nous sommes tous des chrétiens. We are all Christians. Nous voulons être très forts. We want to be really strong. C'est vrai que c'est pas facile. This is the time of sorrow. Yes, I know this time really time of sorrow. Ben, nous voulons t'encourager entre nous. But please let's encourage each other. Amen. Amen. Amen, Louise. Amen. Est-ce qu'on va que vous le Seigneur? Amen. Ça, c'est pas que vous le Seigneur. Nous sommes venus ici pour le Seigneur. Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu qui va nous prêcher maintenant. I'm going to call up a man of God who's going to preach us today. J'appelle le docteur Yannick qui est en forme. We have to call on a doctor. Amen. Amen. Nous allons avoir un moment de silence dans la présence de Dieu. We are going to have a silent moment in the presence of the Lord. Simplement d'abord pour réaliser son amour et sa bonté. Just to see, first of all, His loving kindness and His mercy. Nous sommes en ces lieux pour célébrer notre sœur qui nous a précédés dans la gloire. We are here to celebrate our sister who followed us for glory. Nous avons besoin de réaliser que notre Dieu est celui qui a renouvelé sa bonté. We need to realize that God really renewed really His mercy. Et il nous a donné le souffle de vie. And He gave us a life. Et nous sommes présents en ces lieux. We are here a moment present. À cause de ces rendez-vous. Because of that love. Et simplement pour cela. And only just because of that. Nous avons besoin d'avoir David, notre regard. We need to lift up our eyes on the sky. Et lui dire merci. And tell Him thank you. Voilà pourquoi nous avons matériel du mix. Dans l'idée de dire simplement merci dans le fond de notre cœur à Dieu. Just say thank you within your heart, God. Nous allons We are going to focus on Him, see how good He is. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, praise You. Just came to read. Qui nous a été retrieved, ça nous a été récupéré d'Ecclésiastes. That's really retrieved from Ecclésiastes. Mais ce que nous avons besoin de réaliser, c'est que Dieu est le temps, il est maître des temps et des circonstances. Il est un Dieu d'éternité qui vit en dehors du temps. Beyond the time. En lui, in him, il y a l'existence. Et il existe par lui-même. Il a existé avant l'existence. Dans l'éternité passée, il chemine avec l'existence. Existence. Dans les temps présents. In the present time. Et il sera le même. And he will be the same. Après l'existence de toutes choses. Dans l'éternité future. Nul n'est comparable. And no one is comparable. Quand la parole de Dieu affirme qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. And time to die. Les quelques questions fondamentales à se poser. Some questions are asked. Seraient celles-ci. Then this is a question. Qu'est-ce qu'un homme en fait? What is a man? Pour que Dieu se souvienne de lui. For God to remember him. Qu'est-ce qu'un homme réellement? What really a man? Pour que Dieu prenne conscience. So God will take conscience. Et qu'il prenne soin de lui. And he will take care of him. D'où vient cet homme? Where came the man? Pourquoi existe-t-il? Why exists? De quoi est-il capable? And why is it? Et pourquoi? And why? Et où va-t-il finalement? Where he's going? Nous naissons. We live. Nous vivons. Where we live. Et nous passons. And we pass. Un mystère. And a mystery. Et beaucoup de gens n'arrivent pas. Many people can't really say and understand. Il y a des grands philosophes français. There's a good philosopher. Il y a des grands présidents français. A great president. Qui ont vécu la vie. That really lived their life. Dans la gloire. In the glory. Et au jour. And at the day of death. Ils se sont posé 10,000 questions. They asked 10,000. Parce qu'ils ont ignoré ce qui arriverait. Because they ignore what came to pass. François Mitterrand il est venu. The people who come. Il a posé 10,000 questions. And he asked 10,000. Avant sa mort. Before au soir de sa vie, and before he started, Bernard Tapie, un milliardaire, qui a secoué la France, and au soir de sa vie, il s'est posé la même question. He asked the same question.
Mais c'est ce qui dit, qu'est-ce qui devient venir après la vie? What come after that? On se pose des questions. We ask c'est un mystère. It's a mystery. C'est que nous sommes en train de nous poser. That we're asking ourselves. Ma soeur, mon frère. Brother, sister. Tu peux manger. You can eat. Vivre. Live. Te marier. Marry. Avoir des enfants. Have children. Acheter une maison. Buy a house. Envoyer tes enfants à l'école. Send a kid to school. Mettre comme ces roseaux filles. And it be just like a philosopher. Qui ces roseaux filles. Oh, it seems to be just like an empty space. Et qui chancelle sans espérance en bon. Then they can go down without experience. Et cela, c'est sincèrement, si c'est cela la vision de la vie. If it really is that sensual is the life of vision. Il y a quelque chose qui manque. There's something missing. Et ça, il faut le chercher. And we have to seek. Oui, nombre d'entre nous. Among us, nous cherchons à gagner de l'argent. We're looking to find money. Le maximum d'argent. And all that money. Pour être heureux. To be happy. Ce qui est tout à fait légitime. But what it says. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Which is not a bad thing. Mais pourquoi servir-t-il à l'homme? But what is served to man? De gagner tout l'argent du monde. To gain all the money. Si la vie à perdre son âme. And if all just lose his. Il y a un plan de rédemption pour l'humanité. And it is a redemptive plan for humanity. Que nous le voulions ou non. That we have to. Que nous appartenions à quelqu'un un jour. Non. Il y a un plan de rédemption qui a été dressé par celui qui a créé la le Dieu tout-puissant. Il connaissait l'homme avant sa venue dans ce monde. Before he came in l'avait imaginé. And he imagined. L'avait connu. He knew. L'avait prédestiné. And he predestined. Il l'avait appelé. That he called l'avait him. Justifié. And he justified. L'avait glorifié. Glorified him. Oui, Dieu nous avait dans sa pensée éternelle. Yes, God had in his thoughts. Avant que nous venions dans ce monde. Before we came on this earth. Avant que nous naissions de la part de notre père. Before we were born from Dieu father. Dieu nous connaissait. God knew us. Je l'ai dit à quelqu'un que Dieu te connaît. God. Mais il ne pas, il ne pas, c'est pas connu maintenant. Mais t'as connu avant la fondation du monde. Il nous avait dans sa pensée. He put us on his thoughts. Il nous avait dans sa pensée. And he had us on his mind. Mais en venant à ce monde. And on this world. Par Adam et Eve. That Adam and Eve. Nous avions péché. And we sinned. Nous sommes éloignés de lui. And we stayed away from him. En vérité. In truth. Notre demeure initiale. Are we really dwelling? C'est le ciel. It's heaven. Nous venons du ciel. We came from heaven. Et nous avons été créés par Dieu à son image, à sa ressemblance. Pour dominer et régenter et régner sur les oiseaux. And rejoice and take dominion of all the bird of the earth. Sur les oiseaux et les animaux marins. All bird and all the underground and the marine. Et sur toutes les bêtes de champs. And all these beasts. Cependant, il est convenant. And it's great. De signaler. To say. Que l'homme. That a man. Depuis la chute d'Adam et Ève. Since Adam and Eve fell. N'est capable d'aucune bonne œuvre. And he can do nothing. Cependant, ce qui voulait dire, and he wanted to say that, sans le rédempteur de l'humanité, without redeemer of the l'homme est perdu. A man is lost. Sans le rédempteur, without redeemer, l'homme est perdu. A man is lost. Seul le rédempteur est capable de ramener l'homme et le monde vers Dieu. Only redeemer was able to take the world to God. C'est là à cause de l'amour du grand amour de Dieu manifesté en Jésus. Et à cause également du créateur de Dieu. Because of the God. Qui avait placé dans sa créature. On his voilà pourquoi Jésus pouvait s'exclamer en disant that's why Jesus Christ sans moi, without me, vous ne pouvez rien faire. You can do nothing. Tu peux avoir tout l'argent, tout l'or du monde. You can have all the money and things of this world. Mais sans le Seigneur, but without God, tu es comme ces tombeaux blanchis. You just don't like nothing. Qui n'a pas de vie à son intérieur. Just like something Jésus a dit encore. And Jesus said, je suis le chemin. I'm the way. La vérité. The truth. Et la vie. And life. Il a encore dit. He said again, je suis la lumière du monde. I'm the light of this world. Il a encore dit. He said again. En vérité. In truth. En vérité. In truth. Et je te dis. How he said, si un homme est né nouveau. If a man is born of il, born, il peut voir le royaume de Dieu. He can see the kingdom of God. En vérité, en vérité. In truth, in truth. Si un homme est né d'eau et d'esprit. If a man is born, il peut entrer dans le royaume de Dieu. He can enter to the kingdom of God. Comme nous l'avons annoncé précédemment. Lord, give, let's give that. Dans notre lecture. In our reading. Il y a un temps pour toutes choses. It's time for everything. Il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Time for everything on earth. Aujourd'hui, c'est encore aussi le temps favorable. Today is a great time. Pour quelqu'un qui écoute le son de ma voix. For the one who hears my voice. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut pour toi. Today again is the
salvation day. Et c'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a dit. This is the day that day God said. Si tu entends la voix du Seigneur. If you hear the voice of the Lord. N'enlise pas ton cœur. Please don't hesitate. Notre sœur que nous aimons. Our sister that we love. Maman Godly. Mama Godly. Que nous avons tant chéri. That's really embraced. Que nous avons tant aimé. That really loved. Qui a été une étoile qui pouvait amener la joie dans le silence, dans la maison. A shining star to bring joy in her heart. Et qui pouvait amener réellement du réconfort auprès de ses enfants. And who could really bring strength to our children. Et toutes les personnes qui l'ont connue. And all people knew her. Retiennent d'elle des souvenirs, des bonheurs. And they remember all the good things. Et de quelqu'un qui pétillait de joie et de vie. And the one who really looked. Mais vous savez quoi? But you know what? Sans le vouloir. Without knowing. Elle nous a quittés. She left us. Personne ne s'y attendait. No one was expecting. Tu t'y attendais pas. If you really did. Les enfants non plus. Children, no children. N'en parlons même pas de son mari. No one of your parents. Personne ne pouvait se rendre compte. No one could know. Canada d'aujourd'hui. And left today. Elle ne savait pas de l'autre. And she's gone. Vous savez quoi? You know why? Nous ne savons pas. We don't know. À quoi sera? What is good? Fait le lendemain. For tomorrow. What brings tomorrow? Ça peut être moi. Can it be me? Qui veut vous quitter? Can be you. Ça peut être toi. Can be you. Ça peut être ton enfant. Can be a child. Ça peut être ta mère. Can be your mom. Ça peut être ton homme. Can be your mom. Ça peut être ton mari. Can be your husband. Ça peut être quelqu'un de trop cher que tu aimes. Someone a loved one. Tu peux te quitter. That can be. Ça peut être ton meilleur ami. Can it be a best friend. Mais si alors la mort venait à frapper à la porte de ton cœur. But really if love comes knock. Seras-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Are you really ready to meet God? Es-tu tellement sûr que si la mort arrivait à frapper à la porte de ton cœur aujourd'hui? Are you sure if death really knocks? Tu vas aller au ciel? You going to heaven? Je te pose la question. Et tu me demandes si tu es sûr que si jamais la mort frappe à la porte really de ton cœur, tu vas rencontrer le Seigneur de gloire dans sa gloire. In His glory. Auquel on ne se trompe pas. L'enfer existe. Hell exists. Auquel on ne se trompe pas. Don't lie. Le ciel existe. Heaven exists. Oh, what I'm thinking is a matter of choice now. What do you are choosing right now? Where do you are with your God right now? Are you really somebody fed to God or not? If you don't have faith in God, let me tell you today, you could be able to reach the heaven. Je vais te dire, sans vouloir m'offenser, without saying, aujourd'hui encore, today again, je donne la chance. I give you chance. La chance. I give you chance. Parce que la mort est venue par un homme. Because death came through a man. C'est aussi par un homme. Also through a man. Qui est venu la résurrection des morts. That came a resurrection of them. Si nous croyons que Jésus est mort, if we really believe that Jesus ressuscité, and resurrected, nous croyons également que Dieu ramènera avant Jésus. And we really believe that avec Jesus, tous ceux qui sont morts. With all people were there. Vois-tu le bénéfice de l'acte dont je te pousse à faire? And really the miracle that I'm preaching to do. Nous avons besoin de comprendre ceci. We need to understand this. Nous ne devons pas à nous étonner de savoir l'heure que la mort va frapper ou quelque chose de mal va arriver. We can be amazed. We can even tell when death or something bad comes to us. Nous avons besoin de comprendre ceci. We really need to understand. Le Seigneur viendra. Jesus coming. Il viendra d'abord prendre son église. And he come first to take the church. Le Seigneur viendra. God come. Jesus come. La gestion du temps millénaire. To really take all this time. Mais ceux qui auront fait le bien. But those who did great things. Ressusciteront pour la vie. And they will resurrected for life. Mais ceux qui auront fait le mal. But those who did wrong. Ils ressusciteront également. They will resurrected. Ce ne sera pas pour la vie. But it's not for life. Pour le jugement éternel. It will be for judgment. Qui va dire comme moi? Who can say? Qui va dire comme l'apôtre? Who can say like apostle? Christ est ma vie. Christ my life. La mort met un gain. And a life. Qui va lever son voix? Who can lift sur la face de la terre? And of this. Qui va lever son voix? Qui entend ma voix aujourd'hui? Qui va dire? Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Mais quelque autre part, la Bible dit, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Aimes-tu tu la vie? C'est bien beau d'aimer la vie. Aimes-tu la vie jusqu'à craindre la mort? Et je te garantis, le ciel n'est pas pour toi. Je ne suis pas en train de te décourager. Mais si on peut te dire la vérité. Mais nous avons besoin de craindre. Non pas c'est lui qui va faire périr le corps. Now et l'envoyer dans le sacrifice. Mais nous avons besoin de craindre. Celui qui peut faire périr. The one who can, et l'âme. Et le corps. Dans la gêne. Et si nous vivons. But if we live, nous avons besoin de comprendre. We really need to understand. Que nous vivons pour le Seigneur. We live for God. Et si nous mourons. And if we die, nous mourons pour le Seigneur. We die for God. Soit donc que nous vivions. Soit donc que nous mourions. Dying, nous sommes au Seigneur. We are voilà pourquoi il y
I don't anymore belong to the world. I want to walk toward Jesus. C'était le moment de faire cette décision. J'avais clairement dans mon cœur que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de troubles. Il y a la confusion dans les nations. Où il y a des problèmes à tous les gens. Où il y a des assassinats. Où il y a la jalousie. Où il y a des maladies. Où il y a des fléaux. Le monde est perdu. Au carrefour. Au carrefour. Ne sachant pas où nous allons aller. L'homme est perdu. Laisse-moi te dire. Il y a espoir. Si tu appartiens à Jésus, le cas qui belong to Jesus. La vérité n'est pas belong to Jesus. Mais si c'est pas toi de prendre la décision. Et de décider. You got to decide. Tu dois décider. You got to decide. Tu dois décider. Il y a la mort. There's death. La mort des justes. The death of the righteous. A du prix aux yeux de Dieu. And it was great price. La mort des justes. There's just a death of the righteous. A du prix aux yeux de Dieu. There's a price before for God. Vous savez ceci. You know what? La mort nous pousse à réaliser en effet. Really, death push us to do. Qu'il y a un ciel. That it is heaven. Il y a aussi un enfer. There's always a hell. Tous les deux endroits opposés. If there's two places. Appartient à la volonté. Belong to the volunteer. Tu as le choix. Yeah, personne ne va te forcer la main. No one will force you there. Tout c'est le ciel. Oh, heaven. Tout c'est l'enfer. Oh, mais aujourd'hui, but today, en traînant les pattes, en this, faisant du snuff, you are going down to hell. Tu partiras directement. Je ne suis pas en train de décourager quelqu'un. I don't want to discourage. Ceci c'est pour te pousser peut-être à dire, ah, il faut que je shift ma décision. Just to push you to say, I'm going to change my decision. En cette fin de matinée. For this month. Je te donne l'occasion. I give occasion. D'accepter Jésus. To accept Christ. Comme Seigneur. As a person. Et comme ton Sauveur. And as a Savior. Pas trop tard pour mieux faire. Don't be too late. It's not late yet. Qui est pour Jésus ce matin? Who's Jesus? Quelqu'un va me dire, non, mais pas passé. Nous sommes venus célébrer la mort de notre Sœur. Somebody tell her, oh, pastor, come on, man. Je voudrais dire à quelqu'un. En toute occasion, favorable, great, ou non favorable, not bad, c'est une occasion pour nous. It's occasion. Je parle par Jésus. Je voudrais m'arrêter ici. I want to stay, just et la Bible dit. And the Bible says, si tu confesses de ta bouche, if you confess from your mouth, le Seigneur Jésus. Jesus is saying, and you believe in your heart, Dieu l'a God will resurrect you from death. Tu seras sauvé. You'll be saved. Car du cœur de l'homme, because on the heart of man, there comes justice. Et de la bouche, la confession est faite. And from the mouth, confession. Pour le salut. For the salvation. C'est la raison pour laquelle. And the reason that ton cœur et ta bouche. That's in your mouth and heart. Avec les instruments que Dieu. We call for the instrument of God. Tu peux utiliser dans les deux comme tu suis. You can use that for. Tu peux conduire le salut. And all the salvation. Je bénis Dieu. I bless God. Pour Dr. Kayonda. For Dr. Kayonda. Qui avait dit que nous sommes tous des chrétiens. He said, oh, all Christians. Si tel est le cas. If that was not tant mieux. Better. Si tel est le cas. If was not gloire à Dieu. Glory be to God. Mais si tel n'est pas le cas. But if that was not the case. S'il y a quelqu'un. If someone. Qui n'appartient pas. Who didn't à belong Jésus. To Jesus. Peut-être que tu es en train de parler, c'est pas pour toi. Maybe he's speaking just for you. C'est peut-être pour toi. Just for you. Tu vas dire avec moi. You gonna stand nous with nous me. Nous allons fermer nos yeux. We're gonna close our eyes. Nous allons nous mettre debout. We're gonna stand. Nous fermons nos yeux. We close our eyes. Nous mettons debout. We stand up. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Je ne parle peut-être pas à tout le monde. I'm talking. Je parle seulement à cette personne. Make up this story down. Qui n'appartient pas. Who doesn't belong? Royaume de gloire. The kingdom of glory. Hallelujah. Hallelujah. Tu vas répéter après moi. You're going to say after me. Et si tu es converti, and if you have converted, tu vas aider cette personne à répéter. Just help that person. Après moi. After me. Nous allons tous à grand bruit. Nous allons le dire. We're going to say Seigneur it. Jésus, Lord Jesus, je crois que tu es le Fils de Dieu. I believe you are Son of God. Je crois que tu as quitté ton trône éternel. I believe you left the eternal throne. Et ta gloire au ciel. And your glory in heaven. Et que tu es descendu. You came down. Sur la terre. On the earth. Pour me sauver. To save me. Je crois. I believe. Que tu es mort pour moi. That you died for me. Sur la croix du Calvaire. On the cross of Calvary. Et que tu as versé ton sang. Pour mon salut. For my salvation. Je crois que tu es ressuscité. I believe you resurrected. D'entre les morts. The pour mon pardon. For my forgiveness. Et pour me donner la vie éternelle. Je crois que tu es monté au ciel. Que pour me préparer une place. Et tu reviens bientôt au ciel. Jésus. Jésus, je confesse. Que je suis un pécheur. That I'm a sinner. Que j'ai été loin de toi. Je viens à toi. Je vais répondre de tous mes péchés. Et je demande de me pardonner. Purifie-moi maintenant. Avec mes sang précieux. Qui a coulé à quoi que moi ça. J'avoue maintenant. Par ma foi en toi. Que ton sang me lave.
maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois maintenant comme mon Dieu. Je suis à toi. Je t'appartiens maintenant. Je décide de marcher à ta suite. Hallelujah. Hallelujah. Nous allons garder le grand désir. C'est un moment terrible. Les anges sont en train de jubiler. Déjà, il y a la joie au ciel parce qu'il y a une citoyenne céleste qui est en train de rentrer dans cette demeure éternelle. You know, there's joy in heaven because a great citizen of heaven. Il n'y a pas de peur. No, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils pensent que c'est réellement le moment de se jeter par terre au plafond, tomber, se casser la tête. Casser la tête jusqu'en bas des planchers et se faire des ampoules de gogo. C'est le moment de réjouissance. Nous gardons le monde des silences. Gloire. We bless God for beautiful preaching. Can you clap hands?
powerful. God bless you, baby. Papa Daddy Yanni, you're so blessed with that powerfulness. You're always so blessed. This time, we are going out to call the family, the couple of Kayumba. We have a lot of respect on this couple, Papa Christopher and Mama Grace, for the wonderful job they did to welcome this couple, Papa Adam and Mama Godly. So we thank God for them. Can you clap your hands just to say thank you? We are going out to call Papa Christopher Kayuma to say something on behalf of Mama Godly's life. Amen. Amen. Hello, church. Fortunately, please. My name is Christopher. My name is Christopher. Kayuma. Kayuma. Normally, we got an ear for the party. Nous sommes ici venus pour la fête. But today, it's not the party. Mais aujourd'hui, for us, it's the fête. It's for bereavement. Et ça, c'est ma foule pour pleurer. God leave Milolo. God leave Milolo. Is my sister-in-law. C'est ma belle-sœur. That means the wife to my young brother, Mark. Ça signifie que la femme à mon petit frère, Mark. She was born on 14 March 87. Elle est née le 14 mars 1987. She's from Congo. Elle est du Congo. And then she left three kids. Elle a laissé trois enfants. One, she's six, the first one. La première fille a 6 ans. The second, that the boy is 3. Le deuxième a 3 ans. And the baby is 4 months. Et le bébé qui a 4 ans. She's a good person. Godelive Milolo is from a born person. She likes to share what she got. Elle aime partager ce qu'elle a. Even it's money, even it's stuff. Même l'argent, bien les choses, elle partage. She never choose. Elle a jamais choisi. Whoever needs something, she will give. Quelqu'un est dans le besoin, elle était là toujours à donner. And then she loves just smiling. Et elle a aimé vraiment sourire. But today is so sad again. I have to bury. Mais aujourd'hui, vraiment, ça fait mal qu'on va la terre. And then for this time, I say thank you for everyone shows up right here. Et je voulais remercier tout le monde. Après ça, c'est tout le monde à saluer. And then thank you for all communities. Et je remercie aussi la communauté. Friends, les amis, and everybody from far, et tout le monde qui est venu de loin, stand together for us to make it happen. Donc on est venu ensemble, comme ça, on va atterrir notre sœur, ma sœur, ma belle-sœur. So, thank you so much for everyone. Je vous remercie tous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je voulais prendre la parole ici pour chanter quelques chansons et puis on va appeler notre frère Marc pour faire la séparation entre lui et sa femme.
Before I call the husband, our papa mom, I would like the choir to give us a song. Then after that, we are going to do the ceremony to separate the husband and the wife. Amen. Mama, can you come forward, please? Yes, Jesus, Azalia, Wanda, Oyemba.
le savons. Yes, we know. Notre sœur Marie-Claire était mariée. Our sister Claudine was married. Un jour qu'elle s'est mariée. The day she got married. L'homme de Dieu devant eux. A man of God was there. Pronounce this word. He said this as the Bible says. L'homme quittera son père et sa mère. A man shall leave his mother and father. Il s'attachera sa femme. And cleave to his wife. Et les deux deviendraient une seule chair. And both will become one body. Mais Dieu a jugé bon aujourd'hui. But God decided better today. Elle a pris notre sœur. To take our sister. Donc le mari reste seul. And the husband stay alone. Nous voulons maintenant prier pour le mari. We love now to call the husband. Afin que nous puissions. So. Briser cette alliance qu'ils ont fait ensemble. We're gonna break now the covenant they made together. Amen. Papa, can you come forward, please? Papa, I would like to call our men and women of God, please come forward. Yes, ma'am. On ne peut pas faire l'alliance avec quelqu'un qui est mort. We can't do the covenant with somebody who's dead. Alléluia. Amen. Venez, on va l'entourer pour s'en prier. Come, please. Let's all the women, men and women of God, pastors, if we come forward. Alléluia. Amen. Je vais laisser à Papa Mark. I would like to ask Papa Mark. Je ne sais pas de l'homme de. On va enlever cet agneau. We are going to take the ring off, the wedding ring off. Alléluia. Parce qu'on va arrêter ce mariage aujourd'hui. Because we're going to stop the marriage today. Parce qu'ils vont se séparer aujourd'hui. Because they're separating today. Amen. Amen. On va prier pour lui. Et je vais dire à Pasteur Patrick de prier pour lui et Pasteur Prince va prier pour la famille. Amen. I'm going to ask Pasteur Patrick to pray for Papa Marvin and Pastor Grace is going to pray for the family. Amen. Je vais enlever l'alliance. I'm taking out this ring. Amen. Now, we present you our brother.
granting shalom. The peace that surpasses all understandings. You say in the word, I give you my peace and I leave you my peace. Not like the world will give you. The peace of the world is temporary. But yours is permanent. Touch his heart right now. There is a void in his heart, Father God. There is a void in his heart. I pray that you fill it with your presence, Holy Ghost. The book of John, chapter 14. As the disciples were crying, because he told them you are separating with them. Their heart was troubled. You told them, do not let your heart be troubled. Believe in God and believe in me. So we tell our brother today, believe in God and believe in Jesus. And he said, I'm going to prepare a place for you. In the house of my father, there's so many mansions. If it was not the case, I could have told you. I would not leave you orphan. I will send you the Holy Spirit. I will come to you. Holy Spirit of God, you are the only one who can help the broken heart. Can transform the heart that is crying. Put joy in the midst of that tears. Feel our brother right now. Now we take authority. In the name of Jesus Christ. To all familiar spirit. That takes the picture or the face of the wife. And come to visit you in the middle of night. Or during the day or in your dream. And then you will say, I saw my wife. It's a familiar spirit. There is no relationship between the dead and the living. So in the mighty name of Jesus Christ, we commend our sister to rest in Christ. And our brother to continue his mission on earth. Lord Jesus, you send the angel Michael to take the body of Moses, because you refuse for the familiar spirit to begin to use him. That he has appeared here, he has appeared the other side. Our sister is in heaven and will not appear anywhere. In the name of Jesus. And our brother has peace that surpasses all understanding. The angels of the Lord surrender you now. And you have the peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Jina la Yesu Mungu liye juu mbinguni tunakuja tena mbele yako mfalme wa amani tukileta jamaa mikononi mwako tazama wamempoteza aliyekuwa faraja kwao Baba ni wewe mwenyewe unayekuwa pamoja na wale ambao wanakuwa na mioyo ambayo inafunjika kwa jina la Yesu tunawaombea mchana wa leo Baba endelea kuwapatia nguvu Baba endelea kuwa pamoja nao neno lako linatuambia kwamba wewe ndio mwenye unakuona fariji wale ambao wanafunjika mioyo kuja tena mchana wa leo baba kwa ajili yao usiwaachilie wewe ni baba wa mayatima simama tena
Thank God again. God bless you, all the pastors, men of God, women of God, the five ministers of the church. Yeah, when God bless you, and God bless also everyone. Okay.
Kitambo bado vita itakwisha, kitambo nazo ruba zitapoa. Na tena nitalaza kichwa changu bavuni mwake anayenipenda. Je pense que nous tous nous sommes ici pour accompagner ndeko na biso milolo. Kwa kusindikiza rafiki yetu milolo. Oyo auti koti kabiso. Moya na maliza tuacha. Na terme humain on dit que ça c'est son dernier demeure. Maneno yetu ya wanadamu tasema hapa ni makao yake ya mwisho. Mais na terme biblique. Lakini maneno ya Biblia. Ce n'est pas son dernier demeure. Haiko makao yake ya mwisho. Parce que après la mort. Kwa sababu kisha kifo. Il y a la résurrection. Kuko ukufuko. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia nasema, lorsque les trompettes sonnera, wakati parapande talia, les morts résisteront premièrement. Wafu watafufuka wa kwanza. Donc comme nous attendons Jésus-Christ de retourner, na gisi tuko tunachunga Yesu arudie, ekoki kosema mpe ke nkolo azongi siko trompete beti mama oyo akolamuka. Inaweza fika sai Yesu anakia na parapande nalia mama yetu atalamuka. Donc qui veut dire ce n'est pas son dernier demeure. Ni kusema hii haiko makao yake ya mwisho. Akozala pour un temps. Atakuwa tu hapa kwa wakati mfupi. Mais je voulais confirmer ça à la parole. Lakini nataka nihakikishie hii katika neno. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Biblia nasema nini kuhusu hii? Avant que tout tikae hawa. Mbele tumwache hapa. Tutangi na Daniel 12. Tutasoma katika Daniel 12. Verset 2 à 3. Mstari wa 2 mpaka 3. Plusieurs se sont qui dorment dans la poussière.
de la terre, se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ici, la Bible nous montre que nous tous nous dormirons. Donc, là, la poussière. Oh, la mort a été un mystère. Que beaucoup ne savaient pas qu'est-ce que la mort. Et les hommes sages ont donné la définition de la mort. C'est l'absence de la vie. Donc, en réalité, la mort, c'est tout un sommeil. Par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Mais après ça, il y a la résurrection. Aujourd'hui, si nous prêchons la parole de Dieu, notre parole et notre évangile est fondée à la résurrection. 1 Corinthiens 15 nous dit: s'il n'y a pas la résurrection, donc qui veut dire Jésus Christ n'a pas ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, nous qui prêchons la parole, nous sommes des menteurs. Alléluia. Et nous qui croyons à ce Jésus Christ à cause de ce bien de ce monde, nous sommes des misérables. Et ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils sont perdus. Alléluia. Amen. Mais comme Jésus-Christ a ressuscité, oh, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Mais Daniel nous explique ici, il y a des groupes de gens qui seront ressuscités. La Bible dit, ceux qui étaient intelligents, ils vont ressusciter et ils vont voir la gloire de Dieu et ils auront la vie éternelle. Mais il y aura aussi des gens qui vont ressusciter avec la honte éternelle. Ceux qui ont marché sans avoir écouter et faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voulais seulement insister à tout et chacun de nous ici. Lorsque la Bible dit ce qui est intelligent, ce n'est pas l'intelligence derrière l'école. C'est l'intelligence que le psaume 14:2 nous explique. Dieu dans le ciel, il regarde le fils de l'homme pour voir qui est intelligent. C'est lui qui cherche l'éternel. L'intelligence que Dieu nous demande aujourd'hui, toi et moi, de chercher l'éternel, d'aimer ce Dieu. Or, la Bible nous dit, on ne peut pas seulement dire que nous aimons Dieu sans avoir fait sa volonté. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est le meaning de faire sa volonté. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on puisse comprendre que on va pleurer, on va se lamenter, mais il faut avoir l'assurance que maman Milolo, elle va ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis à tout moment, lorsque je prêche la parole par rapport à ça, ce corps n'hériteront jamais l'enfer ni le paradis, parce que ce corps retournera. Alléluia. Et la poussière. Alléluia. Bible lobby, le côté qui vit sur la poussière, donc on va appeler la poussière. C'est ça qu'on voulait faire maintenant. Mais son esprit est entre les mains de Dieu. Alléluia. À ceux qui avaient fait la volonté de Dieu, la Bible dit qu'on soit bénéfice à vie éternelle. Mais on va saler la Kinzambe. La Bible dit après la mort, c'est le jugement.
Alléluia. Amen. Vous n'avez pas beaucoup prendre votre temps. Je veux qu'on puisse prier encore une fois de plus de glorifier ce Dieu qui a permis cette circonstance. Car la Bible dit à toute circonstance que la gloire soit rendue à Dieu. Donc, on y met sur la bichette. Lemba alleluia Gaina bindiko lo Yesu Masia alleluia na Yesu alleluia na Yesu Gaina bindiko lo Yesu Gaina bindiko lo Papa, je te demande encore une fois de plus de consoler cette famille et de consoler, Seigneur Dieu, la famille chrétienne, Seigneur Dieu, que nous pleurons à cause de notre sœur. Yahweh, que la paix et la joie, Seigneur Dieu, soient abondamment dans nos cœurs, Seigneur Dieu, parce que tu l'as voulu, Seigneur. Et le reste des temps, Seigneur Dieu, entre tes saintes mains. Sois notre Dieu, à jamais perdu, notre Dieu, au nom de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Alors je vais appeler le mari ici, le mari a un nom de Dieu. Avant qu'on puisse déposer le corps de sa femme. La famille. Juste pour dire au revoir. Que Dieu nous a donné et puis c'est le seul Dieu qui a repris. Que son âme repose in paix et pour l'église. Amen. 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 On avait des projets ensemble. On planifiait beaucoup de choses. Tu le crois la mipango. Mais Dieu. Lakini Mungu alifanya mapenzi yake. C'est vrai que ma sœur elle avait beaucoup de problèmes de santé. Ndio dadangu alikuwa na shida ya magonjwa. Mais j'avais toujours confiance à Dieu que ça va marcher. Lakini nilikuwa naamini Mungu hayo tutakuwa mzuri. Et on se disait toujours ça va aller. Na tulikuwa sema tutakuwa mzuri tu. Mais ce que Dieu a permis. Lakini Mungu aliruhusu. Parce que c'est sa volonté. On a prié avec le serviteur de Dieu. Mais je sais que c'est Dieu qui a décidé qu'il se repose en paix. Tous les membres ont tout mis sur Mungu, lakini Amen. Nous disons aussi merci à Dieu. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons laisser cette corps dans la main de Dieu. Tu as vu la matinée, ton jour à m'appeler. Can you call these people there to come here, please? Bah, si la communauté a moi à dire, je ne sais pas qui va parler. Maman, je n'ai pas ici. Maman, je n'ai pas ici.
La communauté congolaise va dire un mot. Personnellement, nous disons grand merci pour toute la communauté, pour votre présence. Nous avons communauté Zima pour vous apporter. Parce que sans votre soutien, peut-être aujourd'hui, ça serait pour nous difficile d'entrer le cancer. Ce que je veux vous dire seulement de continuer de cette manière. La puissance de la vie et de la mort est montrée que même Père éternel, nous te disons merci pour ce que tu as fait en ce moment, Père éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, parce que toi, tu es le Père éternel. Le roi des rois, papa, le maître de la vie, le maître du souffle de la vie, c'est toi, Jésus. Donc que ton nom soit loué, Père éternel. Merci. Merci, Jésus. Merci pour la vie de notre soeur. Merci, Père éternel. Merci de le voir. Thank you.
Sikufahamu bado
kubwa. Yesu alichukua dhambi, neema ikasirika na moyo ukapona. Tindanga ikomola pasipo na nzela na yo. Yesu yeye.
kabali banga ya talo papa anga ye ikwanti na moto te kabali kitongo ye akango linga yawe yawe banga na talo yawe kabali kitongo papa yawe kumama ikwanti na moto ye motima mwanga moto ndina mawa motema mwanga moto ndina mawa e motema oyanga e motema e motema mwanga moto ndina mawa motema mwanga moto ndina mawa e motema oyanga e motema e mawa nangai ya bila bateo mawa nangai ya bozi pete mawa nangai Lo baya we Oye lo binza mbela nga Na komo na teo na bombo inanga Apapa motema e Motema mwanga moto ndina mawa Motema mwanga moto ndina mawa e Motema oyangai motema e L'amour de Dieu projeté vers mon être produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh, oh mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh, oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Ne me mets pas dans les choses du monde, oh Seigneur, je t'en supplie, oh. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Ne me mets pas dans les choses du monde, oh Seigneur, je t'en supplie, oh. Kumama libanga ya talo e, papa la lola e, mosungi akoka mwase o. Nango bango loko tayo lobaki Eli Eli La masa batali e Obaki sakili susu polangali Tute ta kopi Yawa kumama